Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue! Bienvenue dans Teeny Tiny Town, un mini-jeu à la con du plaisir qui se base sur un espèce de doodle qui est extrêmement populaire sur vos applications de portable, que ce soit Android ou iPhone ou tout le reste, ça existe depuis très longtemps, et personnellement je suis extrêmement mauvais à ce jeu. Dans Teeny Town, dans Petite Ville, votre but est de construire Townsville, la ville des super nanas, en fusionnant le plus d'objets possible sur le plateau. Placer un itel. Ok, attends. On va voir. Placer un petit time. Ok. Non. Là. Ok. Les routes comptent comme des cases vides aussi. D'accord, très bien. Voilà. Ah, voilà. Très bien. Développer votre ville en fusionnant trois objets adjacents ou plus pour créer un objet qui a plus de valeur. Donc. Voilà. Il faut continuer à aligner trois arbres différents ensemble. Ok. Voilà. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'objet actuel, vous pouvez le stocker plus tard. Ok. Maintenant, continuez de fusionner les trucs sur le terrain. Je souhaite le stocker. Ah, un arbre. Est-ce que c'est une bonne idée? Comme ça, ouais. Hop! Voilà. Chaque objet fusionné se transforme en objet meilleur. Ok, très bien. Ouais, ouais, très bien. Swaps. Les inversions. Les inversions sont un power-up très puissant. Vous permet d'inverser un objet sur le plateau contre un objet vide. D'accord, du plateau. Ok. Et j'en ai un seul. Très bien, clique sur l'icône du swap, échange avec ça. Voilà. Ok, bulldozer, ça vous permet de détruire un objet ou de baisser une case surélevée. Utilisez-les sagement, les actions ne peuvent pas être annulées, d'accord. On va essayer ça sur un caillou, voilà. Ok, magasin et l'or, tu généreras du fric tous les 5 tours à partir de tes maisons. Tu peux acheter des power-up et des bonus à partir de la maison. Félicitations! Maintenant, vois jusqu'où tu peux rendre le truc prospère. D'accord, c'est complètement en mode touchscreen. Allons-y. Alors, du coup, je peux bouger ça, j'imagine. J'imagine des boutons pour pivoter. Ouais, voilà, c'est ça, je peux faire pivoter. Ok, alors le jeu, vous l'avez reconnu. Je ne sais pas comment il s'appelle, ni autre. Mais le but du jeu est de fusionner le plus de choses possible, notamment avec les buissons. Alors, j'ai déjà des buissons stockés. Est-ce que je peux les caler quelque part ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Là. De faire ça là. Et de le stocker là. Ça permet d'avoir un arbre qui ensuite serait stocké là, qui devient un feu de camp. Cet arbre, posé là. Et si je le pose là. Et il faut les mettre adjacents sinon ça les aspire pas. D'accord, je vois. Donc après j'ai un autre buisson. Est-ce que je peux sortir ces buissons? D'accord. Chop. Ok. Chop. Merde, j'ai stocké un buisson à l'infini. Bon, c'est brave. Merde, je me suis trompé aussi. Ah! Je me suis chié dessus. Bon, c'est brave. Encore! Je me suis encore chié dessus, il faut que je les place au final, sinon je vais me faire avoir à l'infini. Comment je fais pour me servir de ça? Au secours! Ok, très bien, ça a absorbé ça, c'est pas mal. Je commence à être un peu encerclé en vrai. En vrai, la panique est un peu réelle. Un sapin, je peux placer un sapin là. Ça fait double fusion de morceaux de bois, ça fait de la place. Ok, boop! Boop! J'aimerais placer ça, s'il vous plaît, monsieur le juge. Bon, moi, je peux pas. Pire, faut que je le place là. Là, il faut que je place ça là. Boop! Voilà, très bien. Ensuite, boop et boop pour les buissons. Boop! Oh, attention à ce feu de camp, il faut le mettre là.
sapin bout plat, double feu de camp, du coup je me suis chié dessus. C'est pas... ...53 tours réussis, 0 gold tous les tours. Je peux acheter des objets, bulldozer, swap et crane, je sais pas ce que c'est mais on verra bien. Ok, ok, ok. Slurp. Wait. Là, je peux mettre 3 cailloux, ce qui fait un gros caillou. Là, je peux mettre un feu de camp, ce qu'il faut que je le place intelligemment. Parce que là, il me faudrait un truc en bûche en bois. Donc, si je mets un feu de camp là, il sera absorbé là-dedans, dans la bûche en bois. Donc ça, il faut que je le transforme en buisson et en arbre. Ce qui fait un truc en bois comme ça. Ce qui fait, si j'arrive à en caler un, ça fait... Ça absorbe tout. Et à partir de là, je peux tout absorber. Ok, ok, Amine. Amine. Je suis dedans, les mecs. Je suis dedans. Putain, je suis pas dedans. Ok, ok. Ah. Au secours. j'arrive pas à me débarrasser de ça non plus. Ça me dit que je m'en débarrasse, mais je m'en débarrasse pas en vrai. C'est une catastrophe. Si je mettais 4 comme ouais là. Bam ! Les morceaux de bois ! Félicitations ! Récupérer une récompense additionnelle. Un bulldozer. Ouais, ça. Merci. Ok, bap, ça fait un super arbre. Arbre. Attends, il faut que je le garde, ça. Enfin, il faut que je le garde. Je remplace ça par le buisson. Buisson que je place avantageusement ici. Ça, je prends l'arbre et je remplace le buisson par ça. Et là, ça. Je remplace ça par le buisson, ça. Et là. Fuck. Ça. Ça. Peut-être. Peut-être. Boop. Petit buisson. Zbap bap boop. Zbip zbadabap bap. Ok. Donc ça fait des planches. Ah. Ah. Quel enfer. Bap. Lui on peut le placer là. Et idéalement si j'arrive à placer un truc ici, je peux faire une dinguerie. Et pour faire une dinguerie de viennoiserie, il faut que je réussisse à créer assez d'arbres là. Mais il faudrait la place pour les buissons. Du coup, il faut que je puisse les placer soit les arbres directement, soit autre. Donc, en fait, je suis baisé. Sauf si je débloque un arbre. Sauf si je place les arbres directement comme ceci. Non, ça ne marchera pas. Mais next, je peux faire ça. Bap, une maison! Let's go! Bap, bip, bap, boop. Zbadaboop. Zbip, zbap, zbadaboop. Excusez-moi. Spadaboop. Spap. Bip. Spap. Sboop. Faudrait un platane. Ça vient. Chier. Garde le truc. J'ai pas un swap. Un d'or tous les 5 tours. Ouais, ok, ouais, mais je peux. Can I buy shit? Non. Ah, au secours! J'achète un swap. Ok. Boop! Bap! Voilà! Voilà, voilà, voilà. Avec ça, on travaille. Avec ça, on travaille, avec ça, on travaille. Ce qui nous amène à un arbre supplémentaire. À un maxi buisson. Obligé d'absorber. Bap, gros arbre. Voilà, absorbé. Absorbido total. Putain, comment je fais pour fusionner ça? Au secours! Si je fais ça, attends, si je le mets là, ça va faire un petit tas de bois, ça va me mettre dans la maxi mouise.
Ou alors je l'assume. Je l'assume en dur, tu vois. Je l'assume. Pendant ce temps-là, les buissons, je continue à les mettre là-haut. Voilà. Merde, musique qui est bleue. Oups. Bout de bois. Bout de bois à la rigueur, c'est bien. Je vais le mettre là, ce coup-ci, pas se faire avoir. C'est bap, voilà, très bien. Bap, bap, bap. Mettons un truc de bois. Bap, double maison. Avec potentialité de maison dans le futur. Vision d'avenir, comme on dit dans le métier. Si je mettais un arbre ici, ça a absorbé et ça a fait un tas de merde. Et ce tas de merde pourrait se transformer en gros tas de bois. Ce qui fait que... il faut que j'extrapole. Ouh, ça c'est avantageux ça. Ouais. Cailloux, je les mets toujours en haut parce qu'on s'en fout. Gros tas de bois. Gros cailloux. Avantageux de ouf. La buisson. Pape. Chier, je me suis chié dessus, c'est pas grave. Pape. Pape. Bon, c'est pas top, mais on peut encore sauver ça. On peut aisément sauver ça. Pape. Parce que de toute façon, derrière, c'est pas la pape. Et là, placez là, pas d'appât, petit tas de bois. Mais là, pas d'appât, petit tas de bois absorbé, maison. Hop! Voilà! On y arrive! On y arrive, on y arrive! Le city planning. Qui n'y croyait pas? Moi, j'y croyais. Moi, j'y ai cru. Attendez, attendez, attendez. J'aimerais garder ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre ce tas de merde là? Allez, mettre ce tas de merde là. Mettre ce tas de merde là. Ce qui fait qu'au prochain arbre buisson qu'on a et qui me casse les couilles. Bap, voilà, direct. Bap, direct. Gros tas de bois ici, il faudra le garder pour plus tard. Ou alors il faut qu'on fasse un truc du genre. Bap, genre audacieux, tu vois. Bap, bap, bap. Et là, soit là, ça absorbe tout, soit ça fait toute la ligne là et c'est démoniaque, surtout à la prochaine case. Faut que je mette ce buisson quelque part où on s'en bat les couilles, genre ici. Et là, par contre, là, c'est offert. Regardez ça. Ouah, excellent. Un choix additionnel. Ouah, je veux une grue. Une grue. Introduire. J'introduis la grue toute puissante. La grue sert de joker. Mettre deux objets avec une grue fusionnera immédiatement la totale. Cependant, les grues ne peuvent pas être utilisées sur les pierres ou sur les camps. Si on ne faisait pas une fusion avec la grue, elle va disparaître. Ah. Bah tant pis. Désolé, j'ai pas de. Ça peut pas être fusionné avec les pierres, donc on est baisé. Mais c'est pas grave, ce sont les choses qui arrivent. C'est pas grave. C'est du puzzle. C'est big brain energy, brave Jean. Maximum brain energy. Absorption de peau d'air. Poder del nutrition. Nutrition maxima. Nutrition maximale. Poder absorbido. Absorption maximale. Oula, j'ai fait peut-être une erreur. Non, j'y crois. Je crois que tout ceci est sauvable. Surtout quand je joue n'importe comment comme ça, c'est génial. On adore. Petit cœur supplémentaire. La place commence à diminuer. Les inquiétudes commencent à monter. Oui, voilà, fusionne des poders. Ok, ça je peux garder ce morceau de bout de bois. Double buisson, fusion des buissons, triple buissonne. Voilà, buissonne maxima. Buissonne maxima.
Et avec ça, si j'en cale un autre ici, ça fera deux. Il n'y aura plus qu'à fusionner avec ça et boum, on aura un bout de maison. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien. Tu pouvais pas stocker la grue? Ah, peut-être que si, c'était débile de ma part. T'as entièrement raison. Entièrement raison, entièrement raison. Très con de ma part, très con de ma part, très con de ma part, très con de ma part. Ok, très bien. Voilà, fusionne tout. Entoure ça d'arbres, histoire d'augmenter nos chances. Voilà. Le prochain, c'est un petit campement, mais je le refuse. Voilà, ce qui permet une libération de la place avec un petit campement pour Ave. Ce petit campement pour Ave pourrait être mis avantageusement ici. Un tas de bois. Sauvegarde du petit tas de bois pour Ave. Merde, c'est dangereux en fait. La situation est dangereuse là. Je me suis mis dans une situation pas possible. À moins que. Oui, je fais ça. Je fais ça, je fais ça. Ça, je la garde. Buisson, arbre. Oh la vache, la situation commence à devenir un peu éclectique. Mais on peut encore tout sauver avec cette fusion-là, bap. Et cette fusion-là, bap, qui fait double maison. Fusion-là, bap, tas de bois. Fusion posar del poder. Bap. Sbup, encore un caillou qui est démoniaque. Le caillou qui est un peu démoniaque, je peux le stocker? Merci, très bien, je peux le stocker. Yes, ça fusionne tout. Hop, ce qui libère masse de place. Là, il manque plus qu'un truc, ce qui mettrait boîte, boîte, boîte. Double bois. Ça je le mets là, ça on le met ici, ok, donc il y a moyen de fusionner tout ceci intelligemment, il faut juste pas que je me chie dessus. Voilà, ça c'est un tas de bois, oh putain ça place les maisons direct maintenant, d'accord, ok, gros caillou ici, on pourra accumuler les cailloux là. J'arrive à caler une maison là. Ça fusionnerait là. Mais si j'arrive à la caler là, ça fusionnerait tout. Ça pourrait être décisif. Ça ferait une maison blanche. Et là, paf paf, ça ferait maison et potentialité de futur. Ouais, boup. Ah bah d'accord, elle est jolie la maison. Ok, impeccable. Impeccable. Bap. Excusez-moi. C'est du jeu Big Brain Energy. Ouais, un niveau supérieur. Donne-moi du fric. Non, on revient. Voilà, ça vaut plus de l'argent que ça, le swap. Je peux acheter des maisons directes. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, c'est énervé. C'est à me bouffer. Chier, j'ai chié dessus. Je suis mort. L'échec est maté total. Obligé d'acheter un truc.
C'est parce que j'ai mal vu. C'est parce que j'ai mal joué. Oh. Mais c'est beau. Je me suis remis échec et mat comme une merde. Absorbé, c'est bon, la place est faite, la place est faite, la place est faite. Sur la prairie là. J'achète un bulldozer pour virer de la caillasse. C'est pas possible. Ça, je le stocke. Je stocke le bois. J'absorbe l'arbre. Buisson, arbre, fusion. Tas de bois, tas de bois, tas de bois. Si je calcule bien, il y a moyen de fusionner ces maisons-là. Mais cette fusion-là aurait été avantageuse. Est-ce que je peux acheter une maison? Une maison à la prairie pour la 12. Boop. Oh, le bâtiment! Boop. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça nécessite de la réflexion. Encore un caillou, au secours. Fait ça. Bap bap, petite maison dans la prairie. Pas mal. On a un beau setup là. Sauf que non, je me suis chié dessus, n'est-ce pas? Bien sûr que je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus abominablement. Faut que j'achète quelque chose. Faut que j'achète un swap. Ça, c'est de plus en plus cher, au secours! Comme ça. Et comme ça. Et... Ok, plante ça là. Ça. Ça se plante là. Ça, ça se plante là. Ça, ça se plante là et ça se plante là. Que j'arrive à avoir un double rondin, puis que j'arrive à placer ça là, ouais, ça me laissera le plus de possibilités d'évoluer par la suite. Ok, je place ça ici et ça ici, ça il va ici et ça ici. Ok, ça c'est nickel, ça va ici comme ça, qu'est-ce que soit que je trouve, le combo il est infini. Oh, ça va faire du bien. Bap,
Bip. Sbababoup bap. Bip. Bap. Boup. Sbabip. Sbibip. Bap. Et là, si je le place là, ça fusionne, ça fait une super baraque. Mais si je le place là, ça fusionne et ça fait une super baraque. Mais si, plus important que ça, je le garde et que j'attends un feu de camp, là, il se passe une dinguerie. Voilà. Feu de camp, il est là. Là, voilà, regardez ça. Ouh, boup, 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 boup. Hop là. Ultra combo. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi, je suis fier de moi, je suis fier de moi. Ce jeu est débile. Putain, mais il me propose une cabanon directe. La cabane de vacances de l'agression directe. Dur, hein, mais notre côté, ce serait un peu kino. Ok. Ça devient de plus en plus difficile de caler leur buisson à la con. Non, c'est, il faut que je m'en serve d'arme secrète. Ça, ça libère plus de place. Ça, ça génère un cabanon. On survit. On survit tant bien que mal. Encore un caillou, au secours. Gros caillou plein d'or, c'est bien ça. Ça fait de la place, ça, tu me diras. Ça me fait respirer, ça, en vrai. Arbre absorbé, ok. Hop, on le garde. Arbre absorbé. Arbre placé, ok, là, on a un placement futur qui sera fructueux. Absorbé. Bap. Ok, gros tas de bois. Bap, bap, libération de place. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, ce sapin qui vient chercher... Vient chercher la merde. Qui viennent me faire chier. Ah, ça sent le sapin. Sans mauvais jeu de mots. On a réussi à s'en sortir de rien. On y est encore. Cruel. Ah, il me donne rien. Donne-moi un platane. Donne-moi un bois. Donne-moi un super bois.
secours. La civilisation qui se fait empiéter. Coin. Ouais, non, ça libère trop de choses là. Ouais, ça libère de l'espace là, on respire, on respire. Geox, la chaussure qui respire. Au secours! Trop de buissons! Invoquer la maison en montagne, le chalet normand. Yes. Situation débloquée. Situation débloquée. Récupérer des récompenses supplémentaires. De l'argent, un bulldozer et un demi-tour. De l'argent, ça va encore plus que tout le reste là pour l'instant. Pour l'instant, c'est encore valable. On y est. Hein. Une demi-heure de ça. Hein. Une demi-heure, la vache. Ça va tellement vite. Là, on a de quoi faire un chalet si on se chie pas dessus. Petit chalet en montagne là. On se met bien. Deuxième chalet, fusion des chalets. Petit chalet normand là, on est bien. Libération des cases. Parez-vous les piafs! Les piafs, ils sont en train de baiser mon visuel là! Non, je garde l'arbre, je garde l'arbre. Voilà, on fusionne ça. Faire une fusion de ça. Oh la vache, on a de la place, on a de la place, on a de la place. On a de la place. On n'a pas beaucoup de place, mais on a de la place, on a de la place. On respire, on respire. Mal. Pas mal. Ces buissons, ils sont démoniaques. Ces buissons, c'est le mal. Tellement cher. Ça coûte tellement cher. J'ai plus d'argent. Mais il fallait que je débloque de la place. L'urbanisme avait besoin de lui.
Ah, ah, je suis à chier au 2048, hein. Je suis à chier. Au secours. Sois peu. Sois peu max power. Ouh. Ok. En faisant ça, est-ce que j'ai libéré des situations? La réponse est non. Génial. Moi, ce que j'aime, c'est quand c'est bien désespéré. Pour que l'enculade soit maximale. Ouah, oh, excellent. Magnifique tas de merde. Le caillou. Ce caillou qui trahit. Cette maison à bûche normande dont je ne saurais rien faire. Bulldoze. Fais tout pour survivre. Bulldoze. Tas de bois. Et maintenant il s'agirait de mettre ça ici, mais j'ai mal joué. J'ai mal joui. Maison normande, ça c'est bien ça. Ça libère de la place. Ça, ça libère du spot. Très bien ça. Bien ça. Ça libère de la place, ça libère de la place. Attends, après si je joue intelligemment. Et que je le place là, c'est pap 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 et la petite maison elle apparaît ici. Ou je le mets là. Non, je le mets là et après pap 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 la maison elle apparaît ici. Ou je le mets là. Et après pap 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 on fait en sorte que ça apparaisse ici. Mais ça demande un peu une intervention du Saint-Esprit. On prend les risques, on prend tous les risques. Ça, c'est un peu le Saint-Esprit, quand même. Wow. Wow, le Saint-Esprit! Là. Et du bois comme ça. Paf, paf. 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 Bap. Oh, la maison de la fusion. Attends, je peux pas la conserver, ça. Oh, si, je peux la conserver. Oh, divin. Je veux dire que pour un body swap, où je sois plus avec lui, ça pourrait être prendre la grue et de la caler en coin. Bouah ! Et d'avoir un bâtiment à 700k. Let's go ! Let's go ! L'urbanisme, les enfants, l'urbanisme ! Rien n'était plus simple, rien n'était plus clair. Et pourtant, vous pensiez qu'il était fini ? Vous pensiez qu'il était vaincu? Jamais! Mat, c'est ça! C'est sens de l'urbanisme! L'urbanisme! Si, Pedro, si! Oh là là. Bon là après j'ai fait n'importe quoi avec les cailloux. En
Ouais, les cailloux, c'est un vrai problème. On va le mettre là. Voilà. Boop. Zbap. Plus qu'à espérer une opération du Saint-Esprit. Là peut-être. Ok. Pap. Je suis dans la merde! Non, attends, c'est bon. On peut encore s'en sortir. Je suis dans la merde! Attends, ça peut encore être sauvé. Si je fais ça, je me mets quasiment à échec et mat! Ah, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Bon, comment puis-je tricher? Oh, pas le choix. Ok. Ça par contre, ça fait du bien. Ça par contre, ça fait réellement du bien. Pas mal ça. Ok, c'est pas mal. Ça j'aime bien, ça a un bon guide du routard ça. Ça c'est sexe. La petite maison alpine. Ah, c'est vraiment que des emplacements pourris. Au secours. Bulldozer. Bon, bulldoze-moi cette merde. Voilà, ça va bien 5 minutes les morceaux de cailloux, mais ça m'emmerde. Voilà, ça m'emmerde, il faut le dire. Voilà, fusionner ça. Ensuite... ça, et là, dans le coin, on va pas se faire avoir parce que... bam, ça, voilà, très bien. Puis, pour ce bout de... ah, on est encore bloqué. Bon, c'est pas grave. Bulldoze-moi cette merde. Rien à savoir. Bulldoze tout. Voilà, rien à savoir. Je ne veux rien savoir. Arme d'un coup. Ça s'est fusionné. Secours, panique pas, achète un arbre. Voilà. Et non, c'est pas ce qu'il fallait acheter. Ah, l'erreur. Erreur lourde de la part du joueur français. Ça vaut 500 balles. J'ai plus les moyens. J'ai plus les moyens. Au secours.
C'est complexe. Oh putain. Tous ces buissons. Ils me rendent fou. Oh, ça, ça sauve. Dans le coin. Oh, la fermette normande, let's go. Oh, l'arbre. Oh, l'arbre. Oh, on est sauvés. Nous sommes sauvés. Oh non, on est baisés. On est fichus. Le caillou. Le caillou est revenu. Ah! Échec et mat. Brave Jean, mon cerveau a cuit. Mon cerveau a psychologiquement cuit. Je n'ai pas réussi à obtenir la maison à 2 millions. Que pourrais-je faire de plus réellement? Acheter un bulldozer. Bulldozer là. Acheter une fermette normande. Bourrer là. Acheter l'arbre. Mais malheureusement, voilà. La loc n'est plus avec nous. Le buisson nous consume. Hein? Pourquoi t'as pas acheté des swaps? Mais parce que je suis à chier. Parce que vous aussi jouez à ce jeu, putain. Jouez à ce jeu et cessez de me rendre malade. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait avantageusement swapper? Oh la vache. Est-ce qu'on est en train de tout sauver? Bulldoze. Bulldoze, Frankie. Bulldoze, bulldoze. Perds pas le coup, perds pas le coup. Perds pas le coup. T'as tout perdu. Wouh, 69K. Wouh, trop bien. 69. C'était le meilleur jeu. Eh ben écoutez, c'était un épisode de la détente la plus totale. J'espère que vous avez réussi à vous endormir devant. C'est giga chaud. Le 2048, moi j'y arrive pas. J'y arrive 100% pas. Ce sont des choses qui arrivent. Enfin bon, dans tous les cas, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez actuellement sur la chaîne, c'est sans doute parce que je suis ailleurs. Voilà, hein, sans doute en train de préparer des choses. Et dans tous les cas, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Voilà, c'était un Let's Sleep tout à fait acceptable. En tout cas, comment s'appelle le jeu? Putain, j'ai oublié le nom. Teeny Tiny Town. Voilà, c'est une démo, toute petite micro-ville, et honnêtement, pour ceux qui sont forts en 2048, allez-y, saucez-vous. Pour moi, c'est pour une première run, c'est pas si mal, hein. Bon, pas énorme, mais pas mal du tout, c'est 100% un jeu mobile, ouais. Le cauchemar était total. 5x5, il y a d'autres terrains? 4x4, Expanding Lands, c'est quoi les règles? Oui, déjà, il y a de l'eau. J'ai la base et max. Ok, j'ai fait plein de sous, là. Ah! Et donc, au fur et à mesure, ça s'agrandit. Ah, mais attendez, mais c'est le vrai jeu, en fait. Ah bah oui, forcément. Forcément, forcément. Je jouais pas au vrai jeu. Tout s'explique. Tout s'éclaire. Tout se rend fluide. C'est compréhensible. Récompense, ouais, du fric. C'est du fric. Ah, je regarde juste, hein. Je regarde juste, c'est juste pour goûter, hein. D'ailleurs, à propos de thunes, est-ce que je peux acheter, voilà, un petit campement, là, au milieu? Ça, pas mal. Goal 5000 points. Vas-y, fais péter.
ça. Comme ça. Carrément. Fait que si on achète ça, comme ça. Voilà. Et là, on n'atteint pas le score? Si, on atteint le score. Vous avez vu? Vous avez vu, ça a grandi au fur et à mesure. Et bien, ça aurait été autrement plus simple, à mon avis. Ah, j'avais commencé par le mode défi. J'étais dans le déni. Mais bien sûr que j'étais dans le déni. Tu m'étonnes. Mais là, tout de suite, tu remarques que ça va un peu mieux. Voilà. C'est tout de suite plus accessible. Tout de suite plus accessible, tout de suite plus encaissable. C'est hypnotique. Je suis, comme qui dirait, brave Jean, dans le vortex. Je vais mourir comme une merde dans le mode expansif, c'est terrible. C'est terrible, j'ai trop mal joué. Bon, tant pis, allez, des bisous.